Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, samedi, je suis habillé par Eddie et Nikki. C'est une entreprise congolaise, des Congolais d'ailleurs, qui sont spécialisés dans la chemise ya malonga, la chemise ya kitoko, la chemise à qualité. Donc, ceux qui ont sombi et l'amba à bon, griffe à bon, quand ils ont bango, il faut s'y marrer à tissu. Ceux qui s'y pète, c'est les abangotés, parce que ça, c'est du lourd en fait. Et c'est très bien. Merci à mes partenaires. Donc, je rappelle que Bissona et Denis, tous en face à face, c'est samedi. On a tous les autres samedis. Mais quand la minute est élargie, parce que je vais ma chemise, il y a, je veux dire, il y a Cathy, quoi. Ma chemise à veste. Donc, ma t-shirt, ma polo, ma tenue, ma gardiennage, ils ont tout ça. Donc, tout ça, ma chapeau, tout ça, Bazan. Alors, donc, si vous avez passé, commande, faites-le. Bazan à Kinshasa, à Gombe. Ils sont là et ça leur fait un grand plaisir. Tous les là-bas, comme à pour que tous les là-bas, comme à. Alors, je reçois un pasteur. Tout est allé sur le Covid. C'est vrai que, bon, on va parler de Covid, mais Covid, qu'a Covid était. Mais après Covid, le gouvernement a voulu qu'on se prendre en charge, bien évidemment, pour occuper la population. Ça l'a quitté, n'a mis ça là. Et je reçois le pasteur Jethro Mbaya, avec qui on va discuter. Pasteur Jethro Boni. Ça va bien, merci. Pasteur Jethro, Covid, on a vu qu'il y avait l'église, il y a Covid. L'église, c'est l'esprit de Covid, il faut kende, il faut benga la Covid. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que Covid est la malédiction de Dieu? C'est la colère de Dieu? C'est un phénomène naturel? C'est l'indiscipline de l'homme? À quel niveau on est situé présence à Covid l'élo? Bon, ma lecture est comme ça, n'a pas aspect bélé. Ngaza pasteur mais ngaza pe écrivain nakomaka surtout ba livre eschatologique donc ba lecture au sein ma niveau ébélé sur le plan scientifique les virus oyo jusque là ba yebisibisona noté vraiment ba source nango mais ils a malade ils ont se transmettre na mesal tout ba expliquer biso ba transmission nango donc sur le plan scientifique ils a les gambo malédiction moroté ils a nango malade. Maintenant, aspect nango, ba réalité ou imposée sur le terrain, et tindi biso to réfléchir mon bouquet par rapport à la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'a pas prophétie à la fin du temps, alors il peut contingent. Alors, tu mets quoi associer quelques prophéties à la fin du temps, tu montres que c'est un signe prophétique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des ordres sur le plan mondial. Ordre tous les pays du monde bazala qui obligé à vous la soumettre à yango donc déjà et lokoana ezolo baibele sur le plan prophétique parce que la Bible nous promet très biso que avant Seigneur azon a pas installé royaume naï parce que retour du Seigneur dans la Bible il en a deux aspects. Premier aspect retour du Seigneur ezali pour l'enlèvement wana batwa monde naïta royaume ozwa église naï dans les secrets. Deuxième aspect retour ya Seigneur ezali guerre Armageddon ouais pour combattre toutes les nations de la terre pour installer royaume naï. Alors, dès Thessaloniciens chapitre 2, verset 1, ils ont l'accès qu'avant retour à Nessalama, il faut que l'homme de l'impie a apparaître. L'homme de l'impie, c'est qui? Il y a une caractéristique, il y a un super homme.
Moutou ouais, vous avez la compétence, il y a qu'au gérer le monde entier. Il y a qu'au diriger le monde entier, bah, il y a d'autres termes, antichrist. Apocalypse 13, à l'objet, là, on a la forme symbolique, à l'objet que je vis sortir des eaux une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Ouais, Léviathan, t'es bon. Non, bon. Ah, Léviathan, dans la psaume, dans l'Esaïe. Dans l'Esaïe, puis Job. Donc, ils ont la même signification. Mm. Parce que place où on a les eaux, ils ont représenté les nations. C'est-à-dire, bah, nation, bah, obibi, ça, moutou, moutou, bah, bête, ils ont caractéristiques, et moutou, ils ont ignoré Nzambe. C'est comme Pharaon avait dit à Moïse, qui est l'Éternel? Je ne le connais pas, je ne peux pas l'obéir. Donc ici nous comprenons ce que pour nous obéir dans Nzambe, il faut avoir la connaissance. Donc il va venir, cet homme-là, il apparaîtra, il dirigera le monde entier. Alors, où est Salami Nanzela à Covid? Bah, tu vas aussi la lecture spirituelle, tu vas comprendre que Zali va préparatif, il y a apparition, il y a Moutouana. Quand il viendra, lui ne dirigera pas un seul pays, il dirigera le monde entier. Mais il y a un discours. Il y a des politiciens ébélés, il y a un monde, même l'ancien président. Il est plus que nécessaire maintenant que, le monde se mette, que tout le monde se mette ensemble pour que tu établis autorité unique. Je vis les autres dire que même les États-Unis ont se relevé, dans la crise. Il faut que l'Union se mette ensemble pour l'autorité unique. Donc, il y a préparation, il y a venu, il y a antichrist. Et nous disons que aussi longtemps que l'Église est encore sur la terre, à Robimaté, parce que la Bible dit qu'il faut que celui qui les retient ait disparu. Celui qui les retient aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui agit dans l'Église. Donc, nous avons la possibilité à Robimaté, parce que le Seigneur avait prévu. Nous avons donc, c'est pour nous une leçon pour surtout se préparer parce que bientôt l'église va partir pour que le reste des événements prophétiques puissent se succéder. Est-ce que tu as une question à l'église avant de continuer la question après? Ouais. Pasteur Jetro, est-ce que tu as une épidémie qui est comme ça? Non mais Baba est fait ou est emballé. Non mais emballé. Vous savez, il y a eu des problèmes. C'est le mec qui n'a, comment on appelle ça encore. Il y a un virus beaucoup plus cruel. Espagnol. Oui, il y a beaucoup plus cruel que autre. Oui, d'ailleurs. Au fait, le problème, il y a peut-être parce qu'ils ont trop médiatisé. À l'époque, on n'avait pas la médiatisation mondiale. On a la donne de la médiatisation. Expansion en haut. Expansion en haut. Et puis, effet ou est produit sur le terrain. C'est vrai que. D'ailleurs, ça a été plus médiatisé. Batouakou fera déjà. Mais, ils n'ont pas embatté des basali en Mobongo. C'est-à-dire, les gens qui ont fait la promotion, les gens qui ont fait la publicité de cette maladie, ils ont un objectif. Le vaccin, ils veulent vendre. Oui, voilà. Donc, 5G, il y a tellement beaucoup de choses derrière. Objectif, ils ont atteindre dans zone qui est prophétique. C'est vrai que dans la Bible, pour les initiés, peut-être ils vont comprendre. Dans la Bible, nous avons des prophéties cycliques et des prophéties linéaires. Donc, prophéties cycliques, ils ont la prophétie Ekoksamaki, Ekoksamali Soussou, ils ont la prophétie Tournaka. La prophétie linéaire, la prophétie Salamarabalamoko. Par exemple, la naissance à Messie. Vierge à Okoma Nazemi, à Obotama. Les professions, les années Isaïe, c'est une prophétie linéaire. Donc, ne c'est Kokisama et Okoksama les sautés. Oui, vous me l'oubliez. Non, c'est ça. Non, mais non, mais ça, c'est votre interprétation parce que Elie, il y a qui manque, à comment il m'y balait, à comment il m'y sautait. Voilà, ça, c'est la prophétie linéaire. Ah, ouais, prophétie linéaire. Ça, c'est la prophétie linéaire. C'est-à-dire que Elie, Foya, mais Elie, a Yélie, c'est la prophétie linéaire. Cyclique. Et Kendaka, ils ont rien. On a le pandémie, la contention, Seigneur a prophétisé sur Yango. Donc, depuis l'avènement du Seigneur. L'an 30, si Toko Malelo, il y a de la répétition. Et ça, le rôle de la guerre, vous entendez parler des bruits de guerre. Et ça, la prophétie, cyclique, ils ont, et Kendaka, ils ont, toujours classé P.O.Y.O. Covid, il y a cyclique. Oui. Maintenant, il y a une promotion. Ce sont les enfants du diable, ce sont les serviteurs du diable qui sont en train de préparer les terrains pour l'apparition. Il y a Antichrist. J'aurais même appris avec certains amis au travers à l'étranger, c'est le plan eschatologique, que le vaccin au Bazo pèse bientôt aux États-Unis, Bazo Bandero vacciné, Batou. Et ça, dans la substance, il y a volonté à Batou. C'est-à-dire que petit à petit, le diable est en train de s'apprêter pour prendre le contrôle de tout. Parce qu'aujourd'hui, il contrôle le monde, mais il ne contrôle pas l'Église. Alors, petit à petit, il y a un contrôle de Marambounos. Et bien, il faut s'avertir, se préparer pour l'enlèvement. Est-ce que. Dans le domaine où on a, est-ce qu'il n'y a pas un problème, il y a interprétation, il y a parole de Dieu? Parce que quand on dit que les nations vont se battre entre elles et tout ça, les banamiki vont respecter Mikolo, mais il y a beaucoup de banamiki qui vont respecter Mikolo. Mon père m'a dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de poli. 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 Maintenant, finalement, on se pose la question, c'est quand cette histoire? Voilà. Les guerres, on a eu de toutes sortes. Avant la guerre mondiale, il y avait des guerres, il y avait des casse-colettes. Dans nos tribus, il y avait des problèmes, mais finalement.
Oh, mais que la fin du temps, au Bible l'obéli, et bandit quand? Fin du temps, et bandit quand le Saint-Esprit est descendu. Tant que mon sanctuaire, de fin du temps, et bandit, tant de la fin, bandit. Pas qu'il y ait avant le temps de la fin? Non, écoutez. Juste à côté, une coupe voilà, de colonisation. Jésus a prophétisé quand? Parce qu'il y a eu des guerres avant que Jésus ne naisse. Aux autres mondes, avant que Jésus ne naisse, il y a eu des guerres. Maintenant, quand Jésus est né, à Koli, avant Yakoufa, avant de se couper, c'est un message, ils ont caractérisé. Signe y a retour naïe. À l'objet de la guerre, ce que Tali, Jésus a coup finalement, bon, estimation, dans l'an 33. Ce que Bandis, qu'on a l'an 33, si au Komaboué, il y a eu des guerres. La guerre au Wanéza, la guerre, donc tant de la fin Bandi, quand l'Esprit est descendu, quand le Saint-Esprit est descendu, parce que Joël chapitre 2 a prophétisé. Joël a prophétisé qui, bien avant, avant même Jésus a beau Tamarabi, qu'au temps de la fin, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Donc, quand l'esprit est descendu, nous avons compris que c'est le début du temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, ils ont un début dans l'ango, ils appellent la fin dans l'ango. Donc, nous avons le début du temps de la fin et la fin du temps de la fin. Apôtre Paul, tant aux anges vivants, à l'oubli déjà que je me suis bâti contre des bêtes en Éphèse. Bah, bêtes, on les a mis dans ma physique, ce sont des faux prédicateurs. Donc, bah, faux prédicateurs, bah, banda qui déjà. Bah, effet au Paul à Oloba, qui au Bourbon, à Banaba, comme bah, rebelle, bah, aux anges déloyauté, ils ont les lots, ils ont signe. Il y a tant de mais la même fin. Depuis qu'à la de oui, parce que c'est le temps de la fin bandit depuis Saint-Esprit qui tire. Mais même avant Saint-Esprit, bah, même effet, il y a depuis qu'à la. Non, moi, on a changé non, moi, moi, moi je suis dans la Bible. Non, je suis dans la Bible. La Bible, mais... Bible, toi, on a deux alliances, ouais. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Jésus a le Marambo dans la nouvelle alliance. Donc, on a une nouvelle alliance. Donc, ils ont un signe à paix. Ils ont le rôle là, les lots sont en copier ça par exemple ma prophétie. Bon, compter Mambo, ils ont inventé. Bon, compter par rapport à Mambo, on a comme rôle. T'es maintenant qui pour tout parce qu'il faut être en Obiko, il y a un lieu où il y a un lieu où il y a un Sika. Mais il faut que Makambo et Namoy aient un Sika. Ils ont là, il y a un Sika paix, il fallait ma calater. Mais on se rend compte que tout ce que toi tu dis est fallait ma déjà avant eux. Alors, je me pose la question, en quoi est-ce qu'ils ont nouveau? Bon, il y a un élément important, oh, peut-être que Batoubaro, mais ma bison de Mamoulaï. Étude la prophétie et ça la mara na espace na ba événement les autres accompagnés en gros. Par exemple et prophétie à Élie. Malachie chapitre 4 alors Élie a roya. Alors Jean Baptiste a botami. Si quoi yo ba disciple ba tout na Jésus mais ni ba pharisien ba loba ke Élie a roya mais pourquoi ba disciple ba loba bongo? Jésus a dit bon que c'est vrai que Élie foya mais Élie a yaki ba yo qui était. Ce qui m'a été habité, c'est Malachie 4 et des Jean-Baptiste. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il faut étudier l'événement où ils ont accompagné venir à Eliwan. C'est-à-dire, si on a des prophéties, par exemple, que Orson va Moutouka. Orson va Moutouka. Peut-être que Moutouka va le faire à Oanate. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il faut étudier les événements qui accompagnent l'achat de ce véhicule. Par exemple, Eli, où il y a Malachie 4, il y a Goya, a restauré toutes choses. Ce qu'on m'a dit, Eli, où il y a Jean-Baptiste, il à couper à restaurer l'autre. Nous comprenons que ce n'est pas lui. Donc, la guerre est à la qui, la guerre est cause à la main. Pour comprendre que la guerre au Yangonne, la guerre au Jésus à l'Obaki, il faut un événement où ils ont accompagné la guerre et ça. Est-ce que l'événement où ils ont accompagné? L'événement entre autres. La crise économique, il y a ma casse. Oh, il y a la crise économique avant Jésus. Il y a un somme, il y a un continent. Il y a une crise. Il y a une crise. Christ, il y a un mot. Est-ce que vous vérifiez? Oh, mais tout le monde est en train de faire. Tout le monde est en train Christ a botté une abondance ou la crise? La crise politique, il est né colonisé. A botté une carte de colonisation. Christian. Apprends-moi peut-être que l'histoire est montée en nous. Bah oui, apprends-moi alors. Oui, ils ont droit. T'es, apprends-moi. Apprends-moi. A botté une carte de colonisation. A botté une les Juifs étaient colonisés par des Romains. Mon quoi, il y a un signe. Il y a retour, il y a Seigneur, et ils ont liberté aux bas juifs, il faut pas voir vis-à-vis. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est le plan prophétique. Bas juifs va toujours coloniser, sur le plan prophétique. Alors, même physiquement. Quand il y a un autre bâté, moi, il y a un signe où ils ont venu à Christ, ils ont liberté, récupération à bas juifs, pas récupérer le territoire dans le monde. Ils ont un signe. Oui, mais bas juifs, ils ont libre, ils ont commandé coloniser. Donc, ils vont recouvrir, recouvrir la liberté. Ils ont un signe. Alors, la crise économique. Oyo Messie à lobby, et ça, oyo anate. La crise économique au Messie à lobby, ça va auto vivre les lots. Parce que ça, ils ont un événement, ils ont un pandémie mondiale net auto-zo mon à l'élo, ils ont un événement, ils ont accompagné en haut, ils ont apparition
multiplication, il y a faux prophètes, il y a faux enseignants. Il y a des événements, ils ont accompagné. C'est-à-dire, il y a beaucoup de signes. Sauf dans Matthieu chapitre 24, Makambo Christ, Alobaki, ils ont tambour ensemble. Alobaki, il y a un envahissement à Jérusalem par le général Titus. Jésus avait prophétisé sur ça. Parce que les Romains, ils ont déjà colonisé les Juifs. Mais ils ont déjà colonisé. Parce que ça, c'est ce qui est dans l'an 70. Jésus avait déjà prophété ça. Jésus même avait prophété que Batebele Baroya na Kombo na ngabalo ba ngam na tindi bango me bazaya ngaite. Et koki ça m'a déjà. Parce qu'il y a eu un mouvement des zélotes au Babima qui na Israël, même si bango ba ipsi ba juif que nzamba zana biso longo to telemi la ba Romain. C'est une grande histoire. Alors, tant ba meki ko se révolté, effectivement, ba Romain ba bomi bango c'est pour dire que nzamba zaki na bango te. Donc c'était pour accomplir ce que Jésus avait dit. Donc bilo wana bato ba sa étude ya prophétie na tinga, je sais comprendre que oeza yango, oeza yango te. Oui, voilà la dictature à penser. Non, non, c'est la dictature à penser. C'est que je n'aurais pas suffisamment de temps pour enseigner l'eschatologie ici. Oui, malheureusement. Mais je vous dis que, en crise, encore que connaissance eschatologie et monde dans la terre, ce n'est pas ça le plus important. Non, non. Ils ont une intimidation. Oui, ils ont une intimidation. Mais ça n'a aucune eschatologie. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'eschatologie? Bien sûr, il y a même des professeurs païens qui ont une eschatologie. Voilà. Alors, mais. Tout ce qu'on a eu pour moi, il est maman Mouki. Prophète Branham, il y a des prophètes de Malachi. Il y a des nouvelles, il y a des Élie, il y a des Élie. Il y a des gens qui sont en bateau, il y a des gens qui sont en Corée, comment on dit encore, hein? Qu'on réconcilie, voilà. Ouais. Ouais. Bon, j'ai beaucoup de respect. Et c'est fondé sur ça, en fait. J'ai beaucoup de respect envers lui, mais je dis que ce n'est pas lui. Parce que vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut savoir à qui la prophétie est destinée. Première chose, à qui la prophétie est destinée. Deuxième chose, où est-ce que la prophétie va s'accomplir. Troisième chose, quand est-ce que la prophétie va s'accomplir. Il y a trois éléments importants pour nous montrer aussi l'étude de la prophétie. La prophétie et s'accomplissera dans le monde, dans le temps et dans l'espace. Ce que vous avez dit, c'est on se perd. Par exemple, le Malachi chapitre 4, je prends rapidement. Il faut comprendre la partie à verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Cette prophétie de Malachi 4, c'est vrai que nous pouvons l'appliquer dans l'Église sur le plan spirituel, mais physiquement, c'est pour le peuple d'Israël. La promesse est qu'Élie viendra pour ramener l'équerre des pères au fils. Les pères dont on parle ici, ce sont les patriarches. En Israël, il y a trois patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Leur cœur, c'était quoi? C'est la foi. Donc, on attend où Jésus a dit qu'il y a eu, parce que vous avez un fils d'Abraham. Si vous avez un fils d'Abraham, vous avez un fils d'Abraham. Les œuvres d'Abraham, c'était quoi? Accepter la parole, exécuter la parole. Le peuple d'Israël, c'est-à-dire ce sont les pensées. Les pensées d'Israël, ils ont comme en communion avec les pensées de leur père pour que la base la sauver. Parce que les pères en Israël sont aussi des racines. Bah, on est racine, Israël a le rôle en zété. Mais puis après, il y a des Palestiniens, bref. Oui, Israël a le rôle en zété, bah, père n'a pas bah, de racine. Donc, zété, on est fait en contact avec ma racine pour Bazala. En fait, c'est la restauration d'Israël. Malachi chapitre 4. Ça ne concerne pas l'Église. Aujourd'hui, sur le plan spirituel, les pères de l'Église, ce sont les apôtres. Donc, l'Église n'a qu'une seule année de la grâce. L'Église en a une année de la grâce. Au moins, Jésus disait, quand il parlait, il a dit que Mouto a blasphémé le Fils, il a pardonné. Mais Mouto a blasphémé l'Esprit, il a pardonné. C'est ces deux peuples différents. Parce que le Fils n'était pas venu dans l'Église. L'Église, il y a un Fils, il y a un Esprit. Donc, c'est Israël qui a reçu le Fils. Israël a blasphémé le Fils. Le Seigneur promet qu'il a pardonné. Lors, quand il enverra les deux hommes, parce que Malachi chapitre 4, c'est l'accomplissement de Apocalypse chapitre 11. Les deux hommes pour restaurer Israël. Mais nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous n'avons qu'une seule année de la grâce. Les pères de l'Église, ce sont les apôtres. Donc, nous n'avons pas besoin qu'on nous ramène encore parce que le message des apôtres est là. C'est fini pour lui. Mais Israël a la promesse de restauration. Il y a même Romains chapitre 11, Paul a l'obéi. Il y a quelques branches. Il y a Olivier naturel, il y a Olivier sauvage à Antekuna. Mais Olivier naturel, et restauré. Ce sont des choses, il y a beaucoup de photos dans la Bible. Par exemple, Moïse, aïe, pas bandegonaïe, pour délivrer Bango, qui t'a établi jugé et chef au milieu de nous. Atiki Bango Kei a sauvé les sept filles de Jétro. Après, il est encore revenu pour nous sauver Bandegonaï. Au moment où je ne suis pas à Jephthé, Bengani n'est pas Bandegonaï. Akei a commis le chef des gens de rien.
Mais après, à Rozonga, pour a sauver Bandekoune. Ça, c'est l'image de Jésus avec Israël. Il était chez eux. Atiki Bangwaye Panabiso, il finira par rentrer pour restaurer. Donc, c'est ça la compétition. Pardon, Pardon? Il va, là, nous serons enlevés. D'accord. Nous serons enlevés. C'est ça la prophétie à un berger qui a 100 brebis. À Bongisimoko, à Rozoa. Nous n'avons pas Batikali. À Otsika Bangwaye, on a beaucoup un gardien. À qui on a beaucoup à Bongi. À Tchéna Mapekaye, à sa fête. Au moins, à Balobang, on a des sens. Est-ce que nous sommes à Rozoa, nous n'avons pas Batikali, à Tchéna Mapekaye, sur la montagne. Après que l'Ukamok aboumi. Donc, vous comprenez que Dieu avait Israël. Nous tous, nous étions perdus. Dieu avait pris Israël à Tikibango Mupandi. Il est venu nous chercher. Maintenant, quand il termine avec nous, il va nous placer sur une montagne. La montagne, c'est ça l'enlèvement. L'église sera enlevée. Par après, le Seigneur rentrera pour aller sauver encore Israël. Donc, Malachi 4, ils ont prophétie où ils ont concerné l'église, ils ont concerné Israël. Et ces prophètes-là, nous ne pouvons pas dire que c'est les prophètes Branham. Pourquoi? Parce que Branham est mort. Israël n'est pas toujours restauré. Et s'il dit même que lui, il est le prophète de la restauration de l'Église, il est mort, l'Église n'est pas encore sauvée. Un prophète, quand on lui envoie pour accomplir une mission, il ne peut pas mourir aussi longtemps qu'il n'a pas encore accompli sa mission. Bon, Christ. Non, le Seigneur Jésus, sa mission était de mourir pour nous. C'était ça, sa mission. Mais là, le péché n'est toujours pas sorti. Jésus n'était pas venu pour mettre fin au péché, non. Il est venu. Mais c'est lui qui ôte le péché du monde. Non, il faut comprendre les choses de Dieu. Comment est-ce que Jésus ôte le péché? Ouais. C'est quand vous croyez. Jésus était venu ouvrir les chemins du salut. Il n'était pas venu pour faire entrer la foi dans le cœur de tout le monde. Non, il est venu pour ouvrir les chemins du salut. Il a fait son travail, il est parti. Et il dit même que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que Moussa les a des phases. Premièrement, accomplir l'œuvre de la rédemption. Deuxièmement, perfectionner. Donc le Seigneur accomplit, il continue à faire son travail. Bon, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Oui, ôter le péché veut dire quoi? Kolongo la lissou mouna wakili. Voilà, ôter le péché veut dire quoi? Ôter ces barrages qui existaient entre l'homme et Dieu. Parce que nous avons dans la Bible les péchés au singulier, nous avons dans la Bible les péchés au pluriel. Le péché au singulier, c'est celui qu'Adam avait commis, la désobéissance de l'homme. Donc, c'est une seule personne qui a commis ces péchés, et mais ces péchés a sué toute l'humanité. Le Seigneur était venu pour ôter ces péchés-là, afin que l'homme soit maintenant en face de son Dieu. Celui qui accepte le message, il est sauvé. Celui qui n'accepte pas, il est condamné. Quel message? Celui du prophète Branham ou celui des apôtres. Donc j'étais en train de dire que le prophète n'a pas accompli son œuvre. Nzambe a béni Moïse pour Moïse a libéré Israël. Moïse ne pouvait pas mourir en Égypte. Moïse devait libérer Israël, après il pouvait mourir. Donc, prophète Branham, Maza, prophète majeur. Il n'est pas prophète majeur, c'est un serviteur, bon, si, entre guillemets, c'est un serviteur de Dieu qui a fait son temps, qui est parti. Mais l'église est au continu. Je ne peux pas établir cette comparaison. Je ne peux pas faire cette comparaison. Ah donc, entre nous, chacun a sa grâce. Ah, grâce, mais il y a une à la mesure. Non, non. Est-ce que vous comparez bah, étoile qui étoile, on a étoile, on a oui, c'est une superficie, non, tout ça. Non. En tout cas, bah, grâce est dépendante de Nzambe. Très bien. Paul a lobby que moi j'ai semé, Apollos a arrosé, c'est lui qui fait croître, c'est Dieu. Donc, en d'autres termes, yo, na prophète Branham, bon, ami, non, n'y, mon, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui va juger. Bon. Je ne peux pas dire que c'est un fou, c'est vrai, je ne peux pas dire yo ça. Il y en a Moïse, Kassi. Non, tout ça, na branche, mon côté. Moïse est un prophète majeur. Parce que dans la Bible, nous avons deux prophètes majeurs, Moïse et Jésus. Baza, image, il y a le ciel et la terre. Oh, monsieur, ils ont raté. Donc, moi, je suis terrestre, je suis céleste, je suis troisième, je suis maritime, je ne sais pas. Tout ça, premier Adam, na second Adam, troisième Adam, raté. Premier Adam, l'Adam physique que Dieu avait créé dans les deuxième Adam. Second Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Le premier était tombé, le second est venu pour restaurer celui qui était tombé. Voilà pourquoi la Bible dit que deux valent mieux que un. Si l'un tombe, il les relève. Est-ce que nous avons une émission spéciale par rapport à Yo? Vous allez rendre face à face, mais yo, na mutumoko y a message. Tu sais que je suis toujours. Pour ça, là déjà, ma débat, mon plusieurs fois déjà. Toujours pas comme ça. Il a expliqué Bisso, majorité, on dit ça. A expliqué Bisso le fait majeur. J'ai parié. Ok. J'ai parié. Nathana Lali ou la Moussingaï pour parler de ce que je veux parler. Très bien, on en va en parler. Alors. C'est quand on a la vérité, on est à l'aise. Binosco assemblé de ça. Vous allez baser sur message, il y a messager moko. Deux messages, il y a deux messages, voilà l'enseignement apôtre. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est ce que Paul dit.
nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est ça, parce que Dieu ne pouvait pas libérer le peuple d'Israël, n'allez pas pour moi. Exode chapitre 19, verset 4. Habib, vous savez comment est-ce que je vous ai porté de l'Égypte jusqu'à vers moi? Par les deux ailes de l'aigle. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait envoyé deux personnes pour libérer Israël en Égypte. Ce n'est pas pour rien que Dieu enverra encore des prophètes dans Apocalypse chapitre 11 pour restaurer le peuple d'Israël. Parce que la Bible dit que on ne croira qu'au témoignage des deux ou trois témoins. Puisque la parole de Dieu, c'est un témoignage, il fallait qu'il y ait deux alliances qui les apportent. Donc, aujourd'hui, dans l'Église, nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, en fait, c'est l'explication de l'ancienne alliance et Christ est au centre. Christ est en train de rassembler l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Moni Jésus, Hazarana Katikati. Jésus Ayaki, a soukissi ancienne alliance, a démarré nouvelle alliance. Lui, il est au milieu. Alors, à part lui, nous n'avons pas une autre. Nous n'avons pas une autre. Dans l'ancienne alliance, il y a tous les prophètes de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, nous avons les apôtres de Christ. Donc voilà, Bangonde Bazali, socle et un messager du sauteur. Tout celui qui est en dehors des apôtres de Christ, c'est un serviteur comme nous tous. Parlons maintenant de l'après-Covid, hein, parce que dans le Tobetil Solo, le Moninuara, après-Covid, maintenant, comment le peuple de Dieu, d'abord spirituellement, doit s'organiser après-Covid? Quelle est la leçon que les gens doivent retenir après-Covid? Et puis, comment les gouvernements doivent se réunir, travailler pour préserver? Pour rétablir le Kabibaki. C'est plus sur le plan spirituel. Il faut se préparer pour la ramabé, pour tout comprendre que bientôt le Seigneur va revenir. Le serviteur de Dieu va comprendre que les messages à donner maintenant, c'est quoi? Les messages à donner maintenant, c'est la préparation du peuple de Dieu pour l'enlèvement. Mais sur le plan physique, le gouvernement a un grand travail à faire maintenant. Le gouvernement a un grand travail à faire maintenant. C'est ce que nous pouvons dire. D'abord, tout déplorer le Moko. Tout est autorité. Parce que parfois, quand on parle de la politique, les gens disent que pasteur, j'ai trop côté politique. Moi, je n'entre pas dans la politique. C'est un numéro de téléphone exclusivement dans la Bible. Pasteur, j'ai trop côté politique. Moi, je n'entre pas dans la politique. Mais les devoirs d'un enfant de Dieu, les devoirs d'un serviteur de Dieu, c'est d'avertir. Donc, Moussa, on a besoin d'aller avertissement. Je peux prendre, par exemple, Ézéchiel chapitre 3, verset 17. La Bible dit ceci. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne les parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et de lui sauver de la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis, si tu avertis les méchants, et qu'il se détourne, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra de son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Ça, c'est l'énigme sentinelle. Oui. Ouais. Donc, un serviteur de Dieu est là pour avertir. Nabasali, Batmutunyon, Sokolaxeg, et l'orozo, c'est les amabé. Moussalanza, Mazalan, t'es pas pas flatarae. Bakabele moi 1000 dollars, bakabele moi 2000 dollars, allez à l'équipe, allez à l'Toliaki. Non. Moussalanza, Mazawana, pour Aloba. Soit ma baisse avec papa, et le quoi les amabé. Non, mais moi, c'est ce que moi je fais toujours. C'est ce que moi je fais toujours. Alors, aujourd'hui, je voulais, à l'intention de tous ceux qui dirigent, tous ceux qui ont géré cette période de Covid. Oui, parce que Christian, je te disais tout à l'heure que bino besoin de bambou, on a mis le cas de besoin. Autorité, nature, on a quatre na bango. Amen. Toutes les autorités de notre pays, bah on fout à ma canne, bah fout à ma. D'ailleurs, vous savez, bah dépassement budgétaire. Mais bah tout bâtir grand ensemble, nous allons pas oser le côté. Enseignants, et aucune politique, il y a structure que bon, enseignants, corporation, enseignants, tout ça, la moi, boé, et l'eau, comment côté? Quel niveau de méchanceté? Je vais lire un texte, Ézéchiel chapitre 34. On l'a dit Ézéchiel? Oui, Ézéchiel chapitre 34. J'aimerais que nous lisions à partir du verset 2. Ok. Voilà, je vais lire ça rapidement, très rapidement. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur, dis aux bergers. Ici, berger, nous avons un sens large. Bergers, nous avons protégé ma prépie. Les autorités politiques, nous avons un berger pour protéger un peu ma prépie. Le Seigneur parle contre eux. Qu'est-ce qu'il dit?
Ainsi parle le Seigneur éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Bergers qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient pas-ils paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtis avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Bazo mile sa bango moko. Bazo lata bien bango moko. Bazo tambo la mituka kitoko bango moko, mais peuple, balé si bango te. Et si vous descendez, j'aimerais aller peut-être jusqu'au verset 10, je n'aurai pas le temps. Allez-y. Je prends seulement le verset 10. Ainsi parle le Seigneur. Voici, j'en vais au berger. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Nzambabi ke naroya na roboto la bino gestion ya ba brebis. Pour que le Seigneur chasse quelqu'un du pouvoir, on a besoin de la élection. C'est nous qui attendons les élections. Pour tout le monde, on a Mali va faire l'élection. Oui, bon, je ne parle pas de ce schéma-là. Maintenant, on va dire que Nzambabi pas bien la moutou. On a besoin de l'élection. Nous avons besoin de la majorité. On a besoin de la majorité. Au cas où on a majorité dans le Parlement, nous avons besoin de la majorité. Et ça, il est remonté. Donc, les gens doivent comprendre que après COVID, nous avons traversé des moments difficiles. Seul moyen pour la vie qu'on s'est relevé, ils allaient une forme de communisme. Moi, il n'était moins à la. C'est-à-dire que tout le monde a nous égoïsme. C'est ce que je vais prendre le message de Paul dans 1 Timothée chapitre 6. Timothée chapitre 6, je prends le verset 17. Vas-y. Parce que la Bible est égale à petit peuple, la Bible est égale à Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être libéral, d'avoir la libéralité, la générosité et amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amasser mon au moins un pays est un hôpital à Malongate, mais individu à un hôpital qui est au pays. Pays, bah université à salité, mais individu à un université qui est au pays. Pays est un bon côté, mais individu moi à 15 millions, 15 milliards, tout et tout. Biloko à un et vous sauver été. Tous ces gens, peut-être qu'ils vont me suivre ou bas service à Bobo Landabiso, Dieu veut que Bozalan est riche en libéralité. Véritable richesse, ils allient la libéralité. Est-ce que tout le monde a ça la dente, les lots? Mboka, ils en a passé. Est-ce que Bat va ça la dente? Est-ce que Bat va renforcer Mboka ou oui, puis parfois moi je me demande. Est-ce que le problème est qu'on renforce Mboka? Le problème est que Mboka va bénéficier de la dente. Est-ce que FMI est PCB Nombon? Voilà, on est PCB Nombon, Batongi n'a pas immeuble, Batongi n'a pas hôpital, alors que les destinataires, même à travers cette émission, ce Baro Yoka, va mettre en au profit de tout le monde. Parfois moi je me demande, au moins ma maman a été Karandunda, Tangisibana Nandunda. Si ben à basse université, moi je connais des femmes que ça fait 20 ans, ça la commerce ouana. À quoi y a raté? Capital n'est pas sous $50. À quoi y a raté? Mais vous prenez tout un pays où ils ont la richesse, où ils ont la rebelle, beau pays en haut, bah tu sois disant au bazar intelligent, mais bah au courant ça la mieux que maman ouana t'es. Parfois, bah maman ouana bazar plus intelligent que bah tout vous vous considérez intelligent. C'est bon parce que bah maman a bâillé baraté. D'abord bah oui baraté. Bazo gérer en gros, bazo si venir n'a pas besoin. Mais bizarrement, son petit maman ou anaka ka charge ya zandu, aïe bizandu. Son petit charge, pourquoi les Congolais se trouvent tout ça bon en fait? Et voilà, donc j'aimerais dire que l'intelligence, parce que Proverbe chapitre 9 dit que la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse et l'intelligence c'est la science des saints. Ici, je vais inviter Bato Bazo Landanga, surtout les dirigeants, à découvrir la science des saints. Cette science qui a permis à Noé de convaincre les lions et la lionne d'entrer dans l'arche. Cette science qui a permis à Noé de nourrir et les lions et l'éléphant et les oiseaux. Moutouna Moutouzoa qui parlait par rapport au niveau de Boumounaï. Nakata Arche de Noé, Touraga Bitumba, Tege Oaibio et Zakite. Cette science qui a permis à Moïse de conduire les peuples pendant 40 ans dans les déserts où il n'y avait pas de champs, mais Bad Bazolia, Enzambe Nasuka, le Bike Bilamba Nabino et Pasuka Kite. Cette science qui a permis au Christ de nourrir 5000 hommes de 2 poissons et 5 pains. La science de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qui va choisir spiritualité à Malamou, conduite n'a pas dirigé vers spiritualité ou anna, il faut à tout prix que l'homme congolais, élite congolaise, et bisogno soto longola nanou égoïsme. L'égoïsme est entré aussi na église. Ma pasteur, beaucoup, nanti,
Alors que bande qu'on a bien nous besoin d'abord Il batteur faut relativiser. bon va comme aussi les politiciens il faut toujours Non, relativiser pas bon, là c'est la majorité, puis c'est le mais système. pas la bible c'est la majorité c'est le système pasteur Oui, tant les qu'il y a lois. pasteur mouru Oui, pour Anini. Pour Anini, pasteur moi, ça n'est. tant qu'il y a pasteur mouru bigada pauvre bande mais on y est pas réussi Non, mais là, mon tel bosso. Non. Gars, pasteur. Bon, tout qui a non, Parlons d'abord. Tous les pasteurs, on sait comment vous vivez. Et puis, na revara na ngate na otonga imeme na revara biloko wana. Banda ku obino botsumba kaya mabele église. Et bien, les pasteurs ont un combo et bana na bana. Non, c'est la question d'organisation. C'est la question que nous achetons une parcelle. Le système, il est congolais, je crois qu'il est dans la tête des gens. Moi, par exemple, je n'ai pas une parcelle, mais j'accepte. Nous achetons une parcelle pour l'église. Ce n'est pas à moi. Et on a un combo à nani. Au nom de l'église. L'église, union surprise à l'église. Ils ont un micalat. L'État fait ça à micalat. Oui, mais tant que comme Randa, comme Inda, comme Rabango. Mais parce que comment vous m'expliquez? Maman ou yolobiono ou kile lelo mawa mingina ou kibien ou kile mawa. Mais maman on a même interrompu sa mabounza en église, non? Mais l'église en retour ne fait rien pour cette femme-là. Non, il ne faut pas dire ça. Mais dites-moi. Il ne faut pas dire ça. Quand vous dites que l'église ne fait rien pour cette femme-là, ils ont voilà, insulté la femme, on a insulté l'église. Comment? Muto, bah, on sait le retour après ça. Oh, vous nourrissez maman la milimo. Non. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont besoin de croire quelque chose. Donc, ton monsieur que maman vit, n'a pas de simbiango. Vit, n'a pas de simbiango. Et elle croit en ça, elle reste dedans. Je ne sais pas que tous ces gens-là sont des idiots. Non, ce n'est pas l'idiotie. Ouais. On a vu des professeurs de droit aller se donner à des charlatans. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec à bénéficier d'assistance spirituelle, moi. Je vous dis, je l'avais dit. Une assistance spirituelle qu'elle peut avoir seule, en croyant en Dieu, au fait. La Bible dit que la loi est un pédagogue qui nous a conduits vers Dieu. Tant que cela pédagogue, la pédagogie, c'est conduire. C'est-à-dire que le rôle du ministère, c'est de conduire une personne à Dieu. En fait, un ministre de Dieu n'a rien à donner à l'homme, parce que lui aussi, il a des problèmes. Mais le ministre de Dieu ne fait que conduire l'homme vers Dieu. Moussala, il y a il est pastoral. Yango, parce qu'ils ont abattu, il va éviter qui est un pasteur. Il y aura son nom de femme côté de l'harmonie. Non. Tant qu'on est politicien, on se branche sur un bloc. C'est vrai que même dans le domaine de la politique, il y a un vrai politicien qui est basali. Mais toujours, sur le plan majoritaire, dans le domaine, il y a l'église, il y a faux basali. Moi, je ne peux pas venir ici pour m'attaquer au faux parce que le professeur, c'est ça qui est au Zalaka. Elle a dit qu'il y a une barrière dans les balais. Au salé, le côté pour au Zalaka. Si je vais conscientiser les gens à choisir les vrais. Parce que job description, il y a pasteur, ils ont arrêté à tes. Nous allons à pasteur, ils allaient suivre à ma âme. Nous travaillons peut-être. Nous allons à la moussala ou ils ont un RS, il y a limite. Des fois, je travaille jusqu'à minuit. Des fois, la semaine prochaine, je vais commencer 21 jours à opérer ce programme. Ah, je travaille beaucoup. Je travaille non seulement pour la bateau Bazana Kinshasa, je travaille pour la bateau Bazana partout dans le monde. C'est un grand travail. Soutien spirituel, soutien moral, orienter les gens, montrer les gens. Nous traitons des problèmes, bah, problème où la police va traiter, toujours traiter en haut. Et le Seigneur a établi un salaire pour les hommes de Dieu. Ce sont des dîmes. Donc, Moutsoua Pessi dîme, c'est en contrepartie, il y a Moussala Oyo, pasteur, Azo Saelaye. Alors, maintenant, ceux qui vont Moussoua Kena, va offrir moi, il y a le Kouta, pour nous rançonner, Bana Nzambe. Nous déplorons. De la même chose. Alors, mais Kolobate, que maman, on a souffri, et Azo Pessi. Azo Pessi en église pour Yébi, en retour. Bato Pessi, ça va Yébi, c'est les gens qui ne donnent pas qui. Et puis, c'est une pensée. Je peux donner aux pauvres, je peux donner à l'orphelin, je peux donner. Non, soit les allées, tout ça, au monde. Au moins, il y a 10 minutes, il faut faire la part des choses. Mais encore, 10 minutes, il y a tout quand même un débat. Hein. Moi, je peux vous dire la vérité, c'est mon secret personnel, mais je connais des gens qui ne donnent pas la dîme hein, et qui sont bénis. Et ils ont fait on ne force pas les gens. Donc, au moins, il y a l'île, au fond, il y a l'île, la libéralité, la sorte, au fond, il y a l'île. Si on a dit qu'on a repris ça, on a repris ça, c'est lui. Ma prémisse, c'est l'île. Est-ce qu'il a péché? Oui. Tant aux obos et aux coques, les communes, aux péchés. Bon, c'est le communes, ils ont convaincu. Ah, mais c'est l'esprit qui convainc. Ceux qui convainquent qu'on a noté, l'esprit convainc qu'on ça. Voilà, donc là on est d'accord. Ouais. Parce que tout ce qu'on fait, 100% conviction, mais c'est un péché. Voilà, ceux qui vous en ont convaincu, c'est ton problème. Le jour où on va convaincre, tu le feras. Mais ne condamne pas ceux qui le font. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour changer la situation de vie Nabissou? On a dit qu'il faut l'égoïsme. Mais qui va que l'égoïsme? Comment va l'égoïsme? Quelle est la formule pour que Mouta ait que bon téléphone déjà un iPhone 11T téléphone les appels que dans un téléphone dans allô allô dans son lit parce que je crois que ce sont des excès l'envie des excès n'est celle qui n'a soit au-delà et on a dans un et n'a créé des équilibres. Comment on fait pour accepter ce qu'on a et être n'est pas égoïste? Je crois que le schéma doit aller des hauts vers les bas et donc du bas vers les hauts, c'est-à-dire que pour tout réussir côté égoïsme
il faut banda na sommet sur le plan politique na sommet même sur le plan social na niveau de l'église tout il faut banda na sommet un partage na niveau il y a sommet tous les institutions président de la République gouvernement assemblée nationale soki parce que biso nous dans le mabou ndenge moko biso nous tous en a fatigue ndenge moko biso exacte que mutu a comme député ne nzala ne comme munene koleka mutu az enseignant non banzala na biso nous za ndenge moko ba fatigue na biso tous za ndenge moko ba pongi na biso tout ezaka na bandoto donc soki tout ko réduire train de vie à l'état président za rovana na ndako moko so na mungali ma les gens crier et ça ni est-ce que za la tata la mokate. Est-ce qu'il fallait dépenser des millions pour que nous ayons un bon salaire et finalement voler. Finalement, faire quoi? Voler et créer des problèmes. Donc, je crois qui a volé et qui a créé des problèmes? Entre guillemets. Okay. Dans le bigac. Donc, ce qui, tout qu'on réduit le train de vie. Tant de batailles, on a un jeep. Est-ce qu'il faut qu'on ait un barami tout cas pris? Moi, je trouve que pour nous, il faut pas doter le ministre de l'État de l'IST. Parce que bon, ça n'a pas. S'il faut payer les enseignants, bon, ils ont s'il faut. J'étais à l'IPEN hier, ma professeur va faire la grève. Partout, il y a des grèves, il n'y a pas d'argent. Mais pour nous, on a mis tout à bateau et Benin, il faut aussi mettre tout à 100 000 dollars. Est-ce qu'on ne peut pas acheter à 3 000, à 4 000? Pourquoi pas catch? Est-ce qu'il va au tambour là? Est-ce qu'il va au comme à la destination? Donc, on m'a dit confort, money. Non, mais confort, wana, gyrophare, liboso. Confort, wana, en principe, il faut peuple. Parce que les patrons, c'est les peuples. Les patrons, c'est les peuples. Quelle est la condition au bagage à l'état? Tout à l'heure, la police n'a pas de problème. Au bagage, ça. Et puis, je me demande toujours, je ne sais pas si c'est provisoire, mais finalement, c'est provisoire en définitif. Donc, est-ce que c'est une condition? Il y a base, c'est-à-dire que bango ba autorité va payer ça exemple. C'est-à-dire au niveau du sommet, ce qui, exemple, est payé, va réduire ma dépense dans bango, va réduire ma consommation dans bango, et finalement, sur le plan, il y a base, ma gamme va s'améliorer. Est-ce qu'il y a un problème à réduire, ou il y a un problème à maximiser pendant que je mets ma dans le niveau de l'écolo? Pasteur, je trouve. Non, il faut faire les choix. Il faut faire les choix entre réduire et maximiser. Oui. Maximiser, ça va nous demander beaucoup de calculs, mais réduire, ça ne nous demande pas beaucoup de calculs. Oui, mais moi, je voudrais réfléchir autrement. Nabi Boué. On a établi nettement que Batomoko Bouye, Bazali Gozombongwale, Tabasali va calculer avec exonération, et même si 5 milliards de dollars. Ça veut dire 5 milliards de dollars, on a mis le compte dans la poche à l'État et le compte dans la poche à Bato. C'est le Congo. Bah, calcule 15 milliards de dollars et qui m'a carrément beaucoup à Bato. Alors que nous, entre temps, on a un budget de 3 milliards, 2 milliards de dollars. Donc, ceux qui avaient 2 milliards de dollars, vous vous foutez à Banseya Nabino, 100 dollars, 200 dollars. Donc, ceux qui vont décider. Que bâti kakoui bambongo à l'État. Bon, maximiser ma recette, wana, afin que vous canalisez en gros. Bon, maintenir ma député na binou bambongo bazan en gros. Mais bongo et koya en plus, bon, matisse liba enseignant, ainsi de suite. Ou alors, on réduit, comme vous dites, tout ça, les trains de vie, comme ça, on attend, en attendant, bien sûr, comme ça, bien. Bah, voilà. Oui, comme ça, tout le monde est bien, parce que moi, je ne peux pas comprendre quand nous allons. Moutanta, moi, on a 6 jeeps, il y a cortège. Azo le kabato, batika liba, 500 arrêts de bus. Bon, c'est la bus, il y a un individu moko, parfois, mis tout le monde et à vide dans la carte. Mais les gens, oui, les gens sont là, vous, les petits pois, on n'a pas mis sur le bon capépi, mais tout le capépi, on va payer. C'est ça la méchanceté. Alors, dites-moi, c'est ça la méchanceté. Donc, Esa, notre devoir, c'est de parler. Notre devoir, c'est de parler. Nous avons la confiance à la parole de Dieu. Je crois que Moutoua Zolanda Bisso, ce que nous disons, ce n'est pas nos propres paroles, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui demande à l'homme de ne pas être égoïste. Égoïste à ce point-là. C'est point que yozo le kanama mituka pa dumso ba souffrir tant yozo sarana mbongo pa dumso la lanzali ya des gens qui meurent pour makila ezate ya des gens qui meurent pour mbongo bazong chema ezate ngana ke na jumso équateur na ke na port na otala ba to ba voyager na tout moins boatu et côté ta ba 50 personnes j'avais mal. Est-ce que moi ezate ba sala ba kanou rapide à port? C'est dire que ba autorité ce ba ko ko penser tout le monde là égoïsme tout le monde là mutuna niveau na et ce que nous avons aujourd'hui besoin au Congo tu en as besoin il y a changement il y a cap politique tu en as besoin de changement à battre oza na FCC article na FCC mais a changé de comportement na parce que mutaro le FCC est cache toujours dans comportement qui mouille mutaro le cache avec la mouka toujours donc nous n'avons pas besoin il y a vagabondage politique nous en a besoin il y a changement il y a comportement makamba 15 millions l'obama akalati sur 15 milliards et l'obama akala. Qu'est-ce que l'ancien président avait fait? Rien du tout. Makambo, oh, le bio, j'attends par nous attendons voir. IGF et tout, nous attendons voir. Ben, y a des gens qui sont arrêtés, mais ce qui est vrai, c'est que arrestation bateau, on veut bien, mais les gens se posent des questions, ouais. Pasteur, je trouve. C'est vrai que Bakangi, oui, il y a un bon à l'État. Les gens qui sont bons à l'État.
On n'a pas que besoin de Kangayoka, parce que nous, on n'a pas besoin de toi, on a besoin de ce que tu as volé de l'État. Ouais. Je crois que très souvent, on est habitué comme ça, Bakangio, Bacho Pembeni, et puis Mbongo, les autres. C'est parce que Bakangabiente. Ou alors, Bakangabiente. Nous avons besoin de récupération. On n'a pas besoin de ces gens-là. On n'a pas besoin de Bocha Bocha Baboton. S'il va en prison, il va payer tout ça, mais. Il faut Moussa Nabongo qu'on mène enquête, que Baba bien ni tel, tel, on va récupérer un mot. C'est ça, c'est que le peuple a besoin. Oui, à l'État, bien sûr. Oui. Oui, ils allaient pas. Et l'euro, ils ont la bénéfique pour l'État, pour le peuple. Ils allaient récupération. Il y a des locaux, ils ont volé. Le reste est là. Ce n'est pas mauvais. Oui, alors, à part on va terminer, l'égoïsme, oui. Je vais terminer parce que j'ai un service que je commence la semaine prochaine. Okay. Et ça, service, il y a prière, il y a 21 jours. Je vais parler de ça ici parce qu'ils ont en ligne. Ils ont en ligne, ils ont la bénéfique pour la bataille. Allons-y déjà parce qu'il nous reste 7 ouais. minutes, 6 minutes. Comment thème Nango, ils allaient. Loi sur le combat spirituel, le principe sur le combat spirituel. Je sais que nous sommes au monde où au côté sur la terre, il y a. Le roi de Tréla, Tamouken, Hollanda. Je vais dire que c'est l'apôtre Paul qui a prêché le combat spirituel dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. D'accord. Paul a existé bien avant notre mère qui, personnellement, qui est déjà décédé. Donc je vais dire que c'est le spirituel qui commande le physique. À tous les moments, je vais dire spiritualité, c'est un peu comme ça. Mon spiritualité n'a pas eu bon. Mon corps pour la spiritualité à ma lame. Bah on s'en va ma lame. Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Je donne un exemple. Ouais. Adam, premier Adam, il n'y a pas eu de ça, c'est une révélation. Bah, monsieur, bah, remettre moi, doute, moi, je vais avancer. Nzambazoua m'a béné. A sali, si ma vie souffle. Or, le souffle que Dieu avait mis, c'est l'esprit. Donc, cet homme-là était d'abord chair. L'esprit est venu après. Donc, cette formule-là ne réussit jamais. Nzambazui, Nzoto, Azumuli Mwache, et Shuaki. Mais t'as la seconde, Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'abord l'esprit qui est venu. L'esprit qui est venu à travers l'ange. L'ange a dit à Marie, l'esprit de Dieu te couvrira, tu seras enceinte. Donc, l'esprit est venu en premier, le corps est venu ensuite, il a réussi. Donc, ce qui vit à Moutou, spirituel et Eliboso, physique, tout charnel et Nassima, il réussit. Mais ceux qui vivent à Moutou, physique et Liboso, spirituel et après, à quoi échouer. Je vais donner un autre exemple. Pierre travaille toute la nuit avec son expérience. Il n'a pas réussi. Le matin, il croise Jésus. Jésus travaille avec sa barque. Après, Jésus lui dit, jette le filet. Pierre dit que toute la nuit, je travaille, je n'ai pas réussi, mais à ta parole, je jette le filet. Donc là, il y a une formule. Première formule, c'était expérience plus travail. Ça a donné l'échec. Mais deuxième formule, la parole, c'est plus parole plus travail, expérience. Ça a donné la réussite. Donc, je peux aller encore plus loin. Parler, par exemple, de Jacob. Jacob sort de la maison de ses parents avec la bénédiction de ses parents. Mais Jacob arrive en route, il dit, Seigneur, si tu me donnes les habits, si tu me donnes les pains, tu seras mon Dieu. Je partirai, je reviendrai, je t'adorerai. Donc, tant que vous pouvez accueillir, à réussir. Donc, je vais dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre que tu ne peux pas faire quelque chose si spirituellement tu n'as pas préparé. Et c'est le travail que nous allons faire pendant 21 jours. Donc, au Bandamo, mardi prochain, chaque jour à 18h. 18h30, malheureusement, et la place, c'est chez nous à l'église, Assemblée okay. des Saints de Kauka, avenue Prévence numéro 45. Pour la bande de Kouba, on a Kishasa, on peut rejoindre l'Abisso, Prévence 45, Kauka, commis de Kalam. Pour la bande de Kouba, à l'étranger, pour l'Abisso en ligne. Donc vous allez nous appeler par notre numéro, Oudo Ebsabino, Congo 11 Télévision, on a YouTube, Congo 11 Télévision, c'est avec cette chaîne que nous travaillons toujours. Et Congo baise, malheureusement, c'est plus pour la politique. Non, pas du tout. Comment ça? Comment ça? Nous pouvons le travailler aussi. Bien sûr, pourquoi pas? Voilà, je crois que je passerai la question au DT. Si c'est possible, nous faisons des lives. Donc, tout ça, on va live, 18h30. Nous voulons atteindre un maximum Yabatou partout dans le monde. Parce que ce sont des problèmes où les Congolais étaient concernés par Tounios. Et puis là, nous faisons des programmes en français parce que nous avons des Haïtiens qui nous suivent. Nous avons des Ivoiriens, Balandarabis, Baza et Bélé. Donc, vraiment, nous allons faire un grand. Alors, chaque jour, nous aurons une leçon. La leçon est belle. La leçon est pratique. Il y a spiritualité pour nous élever spiritualité à Batou. Puis, pour aider Batou, il y a pour posséder, puis, il y a perdre. Pour aider Batou, il y a pour réussir. Donc, vraiment, même si les autorités de notre pays suivront aussi ces programmes, ça serait important parce qu'ils ont aidé Batou. Qu'on délivre ces programmes-là va aider pour délivrer les gens, pour élever la spiritualité afin que tu atteignes au minimum à Bolamou avant que le Seigneur ne revienne. Merci beaucoup, Pasteur Gétro. Moi, je crois que on promet Bissot déjà qu'il y aura un débat. Ouais. Et en même temps, non, je suis disponible. On promet Bissot que ton sou là par rapport à l'événement là, il y a 21 jours, vous dites. Moi, je te dis merci. Donc, tu écoutes très prochainement. Je crois qu'au courant de la semaine, ouais.
tellement que dans la prière, c'est tellement que vous avez un peu chargé. Oui, non, ça a chargé, mais sobenga, maintenant tu vas samedi, bon, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre notre rendez-vous. Mesdames et messieurs, Bato Balanda qui est mission, vous allez vexer, toucher, transformer, édifier. Merci Mingi, faites des commentaires. Le pasteur, je trouve, pour aller solo, il y a téléphone, il faut toujours donner le numéro. Ouais, ah, voilà, voilà, ouais. Je n'ai pas donné. Donc, c'est 09 98 40 52 62. 09 98 40 52 62. 09 98 40 52 62. Je remercie Ming, je remercie Congolaise, parce que les deux émissions dans Salaki, les gens m'ont beaucoup appelé. Et beaucoup, beaucoup même. Il va encore beaucoup appeler ouais, aujourd'hui. Oui, c'est Nana toujours dans la zone, malgré que Christian sera toujours parfois occupé. Je suis là, ok, voilà. Je suis là. Donc c'est dans la zone. Je suis là. Mesdames et messieurs, ne vous en faites pas, je serai avec, on sera avec lui, parce que moi, naturellement, j'adopte son message, il est bon, il est bien. On pourra parler encore davantage. Merci Nabato Alanda Gibissou, on se retrouve très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Salut tout le monde, moi c'est Achille Boutungu. I do work for Unisho by AFH under Cedric aussi. Tout ça qu'on fait appel na Bino, nous sommes tous les gens qui ont vivre dans la carte UK, il y a Royaume-Uni seulement, que tout ça qu'on paye ça, bah, service, protection et assurance. Tout ça qu'on paye assurance vie, life insurance, et ça que ceux qui nous ont dit qu'ils ont foutu un bon goût. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir na enterrement pe na soko tika héritage na bana yo et en même temps soza ki na ndako ozwa kana crédit et ki pe ko futa ndako na yo toza soso na auto bengi living cost. Living cost ezali produit oyo soki muto abeli azana ndako osala ka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant ko za na ndako zo sala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que nous avons yo bien au foot, là, on doit protéger nous yo, donc au foot yo. Tous les sources na autre mais critical illness, assurance maladie. Tant que moto, aux ali sources na problème à santé, au belly sérieusement, l'assurance te paye. Tous les anabak témoignage de belly moto yo à footami parce que belly qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde konabiso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé dérangée. Maman baza na droit ko futa yo autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e singela ki par rapport na oyo biso tozwa. Ke za aventure te e za vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, causez la tête na souka. Naza apo na kuede yom tozo landanga, oza na kati Angleterre, na Royaume-Uni. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. Don't